Parents et Amis. Avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue à Parents et Amis, le podcast Balado que les gens écoutent sur à peu près toutes les plateformes, peu importe où vous êtes. Qui vous êtes? On est content de vous savoir, là. Mon invité est un ami depuis que l'on s'est connu à Choix FM en 2001-2002. On garde contact le mieux qu'on peut, euh, comme c'est en vieillissant. Euh, T'as pas été ami, on euh, peut pas te voir quatre fois par semaine. Mais notre amitié persiste. Salut, Dan Pou, comment ça va? Ouais, – Salut, Gilles! – Salut, garçon! Comme ça. <laughs> Toujours content de te voir. – C'est une bonne intro. Euh, j'ai dit à quelqu'un, en joke, la semaine dernière, j'ai dit euh, « Nous, on n'est pas amis Facebook, on est amis pour le vrai. »– Ouais. Puis euh, c'est drôle parce que les... Des gens, dans mon histoire un peu rocambolesque de fin de carrière <laughs> imprévue, ils me disent « As-tu perdu bien des amis? » Je dis « Non, pas tant que ça. Sincèrement, ça, je suis content. » C'est important. Ben, qu'est-ce qui compte en vieillissant? Peu importe ce qui t'arrive là, c'est la famille. Exact. Tu sais quand t'es jeune, tu trouves ça quest Ah, hein, Non. Tu as souhaité la santé. Je... Ouais. On est rendu là, là. On est pas mal, pas mal rendu là. D'ailleurs, dans ce podcast, on va parler de ce qu'on a vécu. Ça fait un an qu'on s'est qu'on s'est pas parlé. Un an hein, déjà. Hein, en podcast oui. Puis on c'est passé plein des affaires. On a perdu notre chum euh, Udon. Mais, je sais ouais, que t'as une couple d'amis toi aussi qui, qui oui, sont partis. Oui. Euh, mais je voulais juste te dire première question parce qu'on est au début avril. Quand t'es d'un club de. <laughs> DG d'un club de golf, on fait quoi l'hiver on travaille. Donc, c'est une job à l'année. C'est oui, que tu me dis. Oui, exact. Il, y a, il, y a, il y a un rythme moins élevé, j'imagine. Oui, j'ai des très bons propriétaires. Euh, je m'entends bien avec eux autres, puis ils me laissent aller. Ça, okay. ça, ça vaut honnêtement, Gilles. Confiance? Ils, ils, ils me font confiance, probablement que j'ai gagné leur confiance, ben tu vas oui, me dire. Ben oui. Mais de savoir qu'ils me laissent faire mon horaire, ça vaut beaucoup pour moi. Puis je, je leur redonne. Ma blonde on a dit hey, euh, t'as vraiment ça à cœur J'ai absolument. J'ai ça à cœur. Parce que je sens qu'ils me font confiance, puis je veux leur démontrer que leur business. Parce que les autres ils disent occupe-toi de notre business. Ah oui. Mais je suis en contact avec eux. Là. Je veux dire, je parle pas bang, puis six mois après je leur donne des <laughs> nouvelles. Tu comprends qu'on a un CA une fois par mois, puis c'est des propriétaires sérieux, c'est des gens qui ont le golf à cœur, puis c'est des gens qui réinvestissent Gilles. Ça, ça m'impressionne. Ouais. On a mis, on a mis. Moi j'ai pas mis d'argent, tu comprends, non, non, comprends Mais les propriétaires viennent d'investir plusieurs centaines de milliers de dollars sur une terrasse. Tu comprends-tu que la terrasse était désuète au club de ouais. golf, c'est correct, mais là on a une superbe terrasse, puis on a très hâte de l'ouvrir cette année pour que les golfeurs puissent prendre un verre dans un endroit 2024. Mais ça, cet argent-là, extérieur dans le fond, absolument. Euh, puis peut-être comme un gros camp en bois rond. Qui a été, okay. je dirais, qui est devenu adjacent, qui était quasiment collé au chalet principal, c'est magnifique. Il faut dire aux gens qui sont. Moi, j'ai été élevé au lac Saint-Joseph tous mes étés. Fait que je sais c'est quoi, mes ouais. parents jouent au golf. J'ai joué des, des late fin d'après-midi, ouais. des petits neutros avec mon ouais. père, tout ça. Ouais. Mais je veux juste mentionner que le club la manière qu'il est placé, t'as es, 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 une vue exceptionnelle parce que tu as une descente exact. de je sais pas combien de degrés. Fait que ça, ça donne un point de vue exceptionnel. Fait que j'imagine que ça aussi, t'es es dans la nature, bien que tu pas loin de la route. C'est ça. Puis la terrasse a été faite pour qu'on puisse voir le terrain de golf, mais les propriétaires ont investi de l'argent. Pour faire de quoi de beau? Là. Fait que moi, moi ça, t'as ouais, pas idée comprends. à quel point c'est motivant de travailler pour des gens comme ça? Ils se disent pas, bon, nous autres, en tout cas, le golf, la pandémie a aidé le golf, check va nouveau aller, on va se remplir les poches. Pas tout. Mais pas juste ça, Dan, tu pourrais aussi avoir des patrons qui disaient « c'est nécessaire d'acheter ça, à chaque dépense. hein? » Exact. Ça, c'est fatigant, parce qu'en même exact. temps, c'est pas une question de dépenser pour rien. T'es pas, pas un fou non. non plus. Non. Puis dans le fond, tu mènes ça un peu comme c'était à toi. Exactement. que C'est comme ça que tu vas ce dire. C'est ce que je leur ai dit, puis à chaque fois, c'est ce que je fais. Puis quand je vois que ça. Pas que ça accroche, mais que quand, quand je vois que je me dis oh là oh, fou, peu, là, là c'est une décision. Qui est un petit peu trop grosse. OK, là, c'est plus 1243, on le fait-tu. Et quand c'est plus gros, ben là, je de ben ouais. au CA, puis oh on ouais. en parle, puis ça, ça va très bien, les discussions. Puis, on n'est pas obligé, obligé de toujours être en accord. L'important, c'est qu'on se rallie puis qu'on s'en aille au même objectif. Mais tu dis, ça fait quoi l'hiver un DG d'un club de golf? Évidemment, je peux prendre des vacances. Ce que j'ai fait, je suis parti le mois de janvier au complet en Floride. Euh... Puis je suis revenu, je te dirais, pas vraiment bronzé, mais beaucoup plus pauvre que quand je suis parti, parce que c'est rendu très cher, vivre en Floride. Là. <laughs> Les gens qui sont à l'écoute le savent. S'ils ouais. ont des amis ou des beaux-parents qui sont allés en Floride récemment, euh, c'est plus la Floride d'il y a 15-20 ans. Là. Ouais. Euh, mais j'ai fait une pause qui est nécessaire parce que quand tu travailles six jours par semaine pendant six mois, et ça, ouais, à la fin, ouais. ça mérite une pause. Ouais, Tout le monde ouais. est d'accord avec ça. Fait j'ai pris ma pause, puis sérieusement, l'hiver, je travaille un peu moins. Je dirais un, un 3 ou quatre jours semaine, dépendamment okay. des semaines. Puis, il y a tout le temps de quoi à faire. Tout que le temps, tout le temps, tout le temps de quoi Dan, est-ce qu'on peut dire que, mettons, quand la saison finit, euh, c'est septembre-octobre, mettons? Non, ça, c'est fin octobre. Bon, fin octobre, parfait. Oui, oui. Novembre-décembre, post-mortem, puis après fête, on y va pour l'année suivante, ou euh, c'est-tu trop long, ça, comme post-mortem? Non, ouais, c'est ça, c'est trop long. Okay. C'est un petit ouais, c'est ça. Déjà, début décembre, on commence à penser à 2024. Prochain. OK, ouais, parfait. Exact, exact. Avec les. les puis, le, dans le fond, la priorité, c'est quoi? Ta première. La priorité, c'est-tu de s'assurer que les employés reviennent? Tu sais, dans le fond, il y a plein d'affaires. Là-dedans, là, toi, tu as des contrats oui. euh, avec des employés. Il oui. bon, bon, oui. y a ça. Il y a le risque Deux syndicats la, à gérer. Euh, oui, puis tu avais le restaurant à monnaie, c'était toujours un, un concern, mais vous en êtes bien sortis jusqu'ici. Très bon chef cuisinier. Bon, Très fait que bon là, ben, oui. s'assurer que ce qui va bien qu'on puisse continuer. Absolument, dans absolument. Fond. absolument. Ben, je te dirais que le, le groupe d'employés est vraiment à la hauteur. Puis, euh, on n'est pas obligé au début décembre de savoir s'ils reviennent Parfait, ou pas. Okay. La plupart reviennent tout le temps. Tu sais. okay, okay. Là, je, bientôt, je vais faire une réunion d'employés pour qu'on se parle, puis qu'on a en ligne euh, tout le monde mm -hmm. la, la saison 2024. Mais il euh, y, y a tout le temps, au mois de décembre, tu ne me croiras pas, là, mais la deuxième semaine de décembre, j'ai eu deux demandes de tournoi pour l'été 2024. OK. Les gens ils veulent être certains qu'ils vont avoir, avoir leur, leur place, leur date. Combien ça va coûter? Puis là, après, ils ok, réserve moi ça. Mais au début décembre. Il aurait pu m'appeler fin janvier, il restait de la place. Quand on ça, a un ouais. printemps actif, là, c'est fait une coupe d'année, qui était dans le monde du golf. Oui. Est-ce qu'il euh, faut retenir les brides, pour, parce qu'il y en a qui, Hey, rouvre moi ça le terrain, ça va être, mais je scrappe le terrain. Dans ça-là, écoutes ton contre contremaître. Comment ça marche Qu'est-ce l'excellent le, que, le, surintendant. Ok, sur, sur net, ouais, ouais, avec avec qui je le <laughs> Oui, c'est ça. Je connais pas tous les termes, mais je savais qu'il y avait un rôle. Celui qui s'occupe du terrain, non, non, lui, il celui va celui qui dire, décide. Ben, non, c'est lui qui décide à 100%. On parle, puis on a une très bonne relation, mais c'est sûr que c'est lui qui décide, Gil. Mais les golfeurs crankés, là, ce qui est drôle, c'est que cette année. On n'a pas eu d'hiver. Mais Fait qu'il il n'y a pas eu ben fait il a pas une neige, pas fait de neige pour le a Mais non. Fait que si tu parlais au cranqué, à la fin février, mmh. les autres, ils t'auraient dit Gilles, on va jouer au golf à Pauque. bah ben oui. Mais là, finalement, mars a été plus tough. La tempête de la sainte Patte c'est arrivé vraiment le 17 mars mmh. cette année. Puis là, la semaine dernière, il y en a neigé cinq jours, il a fait des euh, moins 8, moins 10. Fait que là, finalement, il y a plus de neige là qu'il n'y avait le 15 février. Je ouais. jouera pas à parler, ou que c'était en fait la semaine passée. Fait que tu comprends que ça va, arriver, ça va ouais. ouvrir peut-être, Gilles, on a ouvert, mettons juste de te situer, là, les trois années que j'étais là, 2021, on a ouvert le 24 avril. Ça, c'est exceptionnel. Okay, okay. La logique, c'est entre le 5 et le 10 mai. Fait qu'on a ouvert le 10 mai il y a deux ans, le 11 mai l'année dernière. Cette année, moi, je pense qu'on va ouvrir dans les derniers jours d'avril ou dans les premiers jours de mai. On va être un petit peu plus tôt que les deux dernières années. Le point critique, c'est de protéger les verres, cest ça? Ben, les verres sont bien protégés parce qu'il y a deux toiles sur les verres. Non, mais je parle à Les marcher ces verres trop vite, tes scraps sont trop gros. Ah, non, 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 ce non. C'est dans ce sens-là même pas? Non, non. non, okay. non. C'est juste que le terrain. Puis là-dessus, là, tantôt, je t'ai parlé de mon groupe de propriétaires qui ouais. investissent beaucoup d'argent. On a un groupe de propriétaires qui nous disent nous autres, on n'ouvrira pas pour ouvrir. On veut pas faire de l'argent au début, puis dire ok, on est ouvert, on est les premiers. On n'aurait pas dû tout. après, là, non, non, il n'y a pas de. Le groupe de propriétaires, ils disent à Claude, on va ouvrir quand vous allez être prêt. Ben, à Claude, et à moi là, tu ouais, sais, On a quand les mêmes préparatifs là, mais non. ils disent, on vous fait confiance, vous nous durez, on ouvre quand on est prêt. Mais c'est sûr qu'on va ouvrir après d'autres terrains, mais pas mal en même temps que les terrains, je te dirais, euh, de la région de Québec, là, les autres terrains comme le nôtre, lac Saint-Joseph, les, les clubs comme l'Orette, les qui Approche, Tempête, Royal. On ouvre pas mal à peu près d'un même. Y a t une confrérie dans le monde du golf maintenant? Toi, t'es DG là. Tu parles à d'autres DG maintenant absolument, que tu connais. Absolument. Ben, je me disais, absolument. dans presque tous les, presque tous les métiers et les sports, y a, tu te rends compte à mon sans, sans faire comme les lutteurs, mais les gens se parlent. Ah oh, oui, mais on n'a pas le choix, Gilles. Je veux te dire, tu sais. Des fois, même un achat, tu vas avoir... Euh, hey, tu l'as acheté, cette compagnie-là, qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Et ben, ça, c'est important parce absolument. que tu, toi, tu peux pas tout savoir. Là. Je parle régulièrement avec des DG des autres clubs. Ouais, Pour bon, s'échanger des infos. Ben, je suis pas très surpris, mais je suis content de l'entendre. Oui. Je me dis, c'est une belle façon d'abord d'éviter les erreurs oui. que d'autres ont faites, oui. puis de s'assurer aussi. En même temps, c'est comme un soutien pareil. Tu es un monde, là c'est un monde particulier. Puis, puis en même temps qu'on est deux clubs de golf dans la même région, on a tous des réalités différentes. As-tu l'impression d'être plus, quand tu fais ta job, plus un homme d'affaires qu'un gars de golf? Euh, oui, absolument. C'est sûr que c'est ça. Absolument. Hein? Puis. Est ce qui me. Des... c'était pas comme ça. Moi, je t'ai connu autrement, mais je me suis dit, il a dû s'adapter parce qu'il aime le golf. Mais à un moment donné, dans le bureau, les chèques, les fournisseurs, euh, les machines à liqueur, on est ailleurs, là, on n'est ben, pas dans le golf. Là. En fait, homme d'affaires, oui, mais pas comptable non, ni non, non, non. fiscaliste. C'est très comprend? actif, c'est pas ça mon point, pas négatif. Mais... Mais non, non, je l'ai bien pris, mais je veux juste préciser que c'est pas moi qui balance tout ça. <laughs> mais mais l'enlignement, je suis à l'aise là-dedans, je te dirais plus que je pensais. Ouais. C'est une motivation pour moi parce que j'avais jamais fait ça dans ma vie. Ça, ce côté-là, je suis content que tu m'amènes là-dessus. Je vais te dire pourquoi. Les gens qui me regardent aller, puis j'ai plein de bons commentaires, puis je remercie tout le monde ben qui oui. me dit, hey, le le like, bon ça, soutien, ben On oui. entend parler, puis c'est le fun, puis ça a l'air que tu fais une bonne job, mais c'est très gentil. Mais ces gens-là, dans leur tête, là, faire une bonne job pour eux autres, c'est le gars de radio pendant 20 ans qui fait du PR. Ouais, il jase, puis puis il... qui voit les gens arriver au club de golf, puis qui leur jase un peu. Mais tout ce que je fais dans le bureau ou comme alignement comme, comme ou comme décision ou comme discussion avec les membres du CA, ça, ils ne le voient pas. Mais c'est ce dont je suis le plus fier. Ah, je suis sûr de ça. Parce que c'est petites, choses, Toutes les petites additions. La, la machine, mettons, la cabane au neuvième, tu dis on pourrait faire ça de même de même. Tu écoutes exact. les gens, tu dis Ok, puis tu dis oh, La machine, on ne pourra pas mettre ça à la place, me semble que ça irait plus vite. Exact. Oui. Mais tu, dans le fond, c'est toutes des petites améliorations. C'est pas, pas ton domaine, mais ça fait partie. Ah, c'est oui. large. là. Ah, oui. C'est plusieurs petites catégories, un club de golf. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Mais tu sais, dans les derniers jours, on a fait des dégustations de vin avec des importateurs privés. Puis là, il faut valider la carte des vins. Mais on n'a pas de maître d'hôtel. Je n'ai pas de naissance sous à se dire à, à un homme ou à une femme, hey, « Tu me gères ça, tu me reviendras avec ça, les prix du vin. » Je collabore à ça avec d'autres membres oh de oui, mon qui... équipe. Mais, mais ça, puis les achats de la boutique, puis tu sais, fait que c'est plein de petites catégories, mais c'est bien le fun. J'adore ça déjà, ben, Pour les achats, entre autres, là, oui. pour pas acheter pour rien, là, tu oui. dois être déjà meilleur que tu étais, mettons, au début, je ne sais pas. – Oui. Oui. Parce que tu sais un peu ce qui se vend le plus, ce qui marche moins. Oui. Puis il faut que tu ailles l'œil aussi. Tu ah, n'as pas besoin d'être une carte de mode, c'est pas oui. ça. Là. Non. Mais de savoir ce que les gens veulent. C'est ça. C'est ça. 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 Non, ouais. ben, tu sais quoi, ça rend ton, moi je pense que ça rend, ça rend ton travail plus large, moins répétitif. Mais oui, mais oui. Puis c'est très ah, humain. C'est jamais routinier. Il y a une portion humaine, il y a une portion service à la clientèle. Puis je te dirais qu'à chaque demi-heure, j'ai tout le temps qu'on a une nouvelle surprise. Il y a tout le <laughs> temps de quoi qui arrive qu'on ne s'attendait pas. C'est pas toujours dramatique, là. Mais on a une situation à gérer la demi-heure d'après qu'on pensait pas qu'elle allait arriver. Puis tu sais, ça reste quand même un commerce saisonnier, qu'on le veuille ou non, là. même si la oui. saison est quand même assez longue, là, parce que tu me dis jusqu'à fin octobre, mais tu sais, essentiellement... C'est six mois à l'intérieur desquels on avait près de trois mois, trois mois et demi pour faire de l'argent. Ouais c'est C'est mieux que ça marche, hein, ouais, dans le fond, je comprends ouais, très bien. Ouais. On va revenir tantôt peut-être vers la fin euh, sur le golf, mais là, je veux qu'on fasse les sports avec Dan Pou. Les sports. Non mais bon, il, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a deux périodes de l'année. Il y a le printemps où ça se croise, on ouais. dit souvent, et à l'automne, ouais. quand le football arrive, puis ça, puis le hockey commence. Pis bon. Fait qu'on a une période intéressante, dans le fond. Mais avant ça, je veux que tu me parles euh, de, de, de gens qui tantôt... On parlait tantôt du fait que tout va vite, puis que. On arrive à un âge, moi j'ai sur les trois, je suis plus vieux que toi. Toi, tu as cinq ans, trois. Mais autour de nous, ça tombe un peu, les amis, puis tout ça. Fait que c'est tough, Puis tu as eu quelques. quelques personnes que tu aimais beaucoup qui sont décédées autour, ouais. et qui t'ont fait probablement comme tout le monde. Je, je sais, moi, je pense qu'on change à chaque fois un peu. On ouais. réfléchit ouais. différemment. Puis ouais. on a comme une. Tu sais ce qu'on dit, je me rappelle d'avoir dit ça avec Mario Hudon, notre ami qui est parti justement. Une urgence de vivre. Là. tu sais, quand as eu Mon fils, quand tu as eu son accident de oui, hockey, oui. il dit Papa, ça va changer. Oui. Il dit J'ai comme dit OK, ça va faire niaiser, on avance. Fait que tu as vécu une année plus tough les derniers mois, c'est ça Mon urgence de vivre, la première que j'ai vécue dans ma vie, c'est en 2016 quand ma mère est décédée. Ta mère, ben oui. Euh, Puis j'avais une relation quand même étroite avec ma mère parce qu'elle m'avait eu à 19 ans. J'avais la chance d'avoir une mère plus jeune que mes amis. Oui. Puis euh, ça, finalement, je n'ai pas pu en profiter aussi longtemps que j'aurais souhaité. Fait que là, il y a eu une urgence de vivre. Et ma blonde te dirait que, euh, l'année ou les deux années qui ont suivi le décès de ma mère en 2016, novembre 2016, j'étais pas tout le temps comique. Non, non. puis j'étais pas tout le temps le fun à vivre non plus, parce que l'urgence de vivre, là, c'était pas, mon plan était pas de mettre de l'argent derrière tant que ça, là. Okay. Tu comprends? Fait qu'on dépense, puis ben, j'ai pas pris de drogue, là. Je dis quand je dépense, c'est, c'est que dans le sens que je me disais. Tu remettais pas trop à non, tout, non, à, à plus tard. Okay. Okay. J'en profite. Là, euh, je te dirais, dans le dernier 3-4 mois, j'ai perdu deux gars proches de moi à 45 ans. Le même oh. âge, les deux gars. Tu te souviens, quand on était en on en en pardon, ensemble en Onde, je t'apporte porte parole pour Honda de Giro. Oui, okay, bien oui. Ok, à commerce de Montmagny. Donc, Tommy Groslo était le DG du concessionnaire auto. Mm -hmm. Un gars en forme, un gars qui a joué hockey toute sa vie une machine de hockey, défenseur, il patinait à 100 000 à l'heure, puis il a joué dans les ligues seniors jusqu'à 44 ans qu'il a eu le diagnostic de cancer, puis il est décédé finalement à Gilles cet hiver. Puis dans la même semaine, le comment je peux te le décrire, lui, un enseignant de golf réputé dans la région de Québec, OK? Tu connais l'Académie Fred Colgan, t'as oui. déjà entendu le nom? Oui. Mais c'était comme le body à Fred, un gars euh, Patrick, Patrick Rionne son nom, il est décédé à 45 ans aussi. Et lui, il a enseigné à des jeunes golfeurs d'élite dans la région de Québec dans les, euh, je dirais, 15 dernières années. Puis il est décédé de la même maladie que Mario Houdon, la SLA. Puis lui, Pat, par mon nouveau rôle dans le golf, je le connaissais un petit peu quand j'étais Radio, mais par mon nouveau rôle dans le golf, on était plus en contact. Puis ces deux gars-là, quand ils sont partis, je me suis dit, « Oh, t'as un peu, là. tout t'as quel âge? T'as 53. Là, il faut... Et quand il va t'arriver une situation, il faut que ce soit oui, la réponse, là. » Il ne faut pas dire, je vais passer à ça. Non, non. Et... Puis je suis parti avec euh, mon chum JP qui fait la même job que moi, mais au club de golf trois mois à saint jean paul là où j'ai travaillé en 2020. JP, ben oui. okay. à un moment donné, il m'appelle, il dit Dan, il, dit, euh, il me reste une semaine de vacances. mais ben, Je suis tombé, moi aussi. Mais là, j'ai dit Plus on va avancer, JP, il a même job que moi, le Fait que plus on va avancer au mois d'avril, il ne faut temps. pas partir le 22 avril. Là. Ben ça on va être sur le bord d'ouvrir le golf. Mais il dit OK, il dit, ça peut être au mois de mars, je suis parfait. On regarde les dates, finalement. On tripe sur le golf les deux. Je dis qu'est-ce que tu dirais à JP qu'on partirait puis lui il connaît comme moi les deux gars. Tommy Grollo parce que lui vient de saint jean port OK, puis je il comprends. comme Il est atteint comme toi par ses Puis le gars de Golf Canada, ben a demandé à JP d'appliquer sur sa job quand Pat a été obligé d'arrêter de travailler à cause de la SLA. Il a référé JP qui est allé rencontrer les grands boss à Montréal pour avoir okay. la job que lui laissait vacante. Fait qu'ils se connaissent très bien. Très bien. J'ai dit Il hey, faut en profiter Je regarde, les deux gars sont décédés malheureusement. J'ai dit, on part. On est parti en auto, on est à la Myrtle Beach. Puis on a joué huit rondes de golf en sept jours. Ça a été le bonheur. Puis pas une fois dans cette semaine-là, Gilles, on a parlé, JP et moi, de l'argent. Pas une seule fois pendant notre voyage. Il n'y a pas une fois qu'on s'est dit Ouais, Dan, Coutureur. ça coûte cher, hein? on, on fait du bien d'en profiter. Non, pas, pas une fois, c'est jamais arrivé. À chaque jour qu'on se levait, on s'en allait au golf, on appréciait le moment présent, puis on se Vous dire, avez parlé de golf en masse, j'imagine. On a parlé de golf, on a parlé de tout. De on, tout. On s'entend très bien. Puis deux, trois fois dans le voyage, on se garde, on prend un Romain de coke, puis on lève notre toast à Tommy, et à Pat. Eux autres ils aimeraient ça être ici avec nous autres puis ils moi. peuvent. Puis le fait d'y aller en tour, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça ajoute au voyage. Cette période-là de, de roulement, d'être ensemble, t'échanges. Oui. Tu jases. Oui. Puis souvent, tu, ça peut paraître de. Quelqu'un de l'extérieur dirait. Ouais, il n'y avait pas grand chose à dire. Ben non, pas, pas du tout, c'est pas ça. Non. Juste filer l'autre, comment ça se passe. Puis, oh non, moi, je, je... Puis c'est des moments, je l'ai vécu moi aussi. Euh, on est parti quatre gars ensemble. Puis, je, je disais à ma blonde, j'ai dit, moi, je trouve ça, en vieillissant, ça me paraît encore plus. C'était pas le, dans, dans ça pas le sens de l'urgence de vivre. Oui. On voulait faire ça. Parfait. Puis, j'ai dit, un voyage de gars, comme, comme des filles ensemble, c'est pas le même voyage Mais que non. quand tu es en couple. Inévitablement, les sujets sont pas les mêmes. Exact. sont pas traités de la même façon. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Puis, on s'est dit, faut leur faire. Puis, en même temps, ça, même même des amis proches, il faut se revoir. Je te dirais, cette année, là, je suis en déficit avec mes Perrault et crêtes dont okay. j'ai toujours parlé quand oui. j'étais radio. Oui. Ça reste des amis d'enfance. Mais moi, je n'ai pas vu Charles depuis quasiment un an. C'est incroyable. Ça, vous faisiez un voyage annuel, vous alliez voir une game de la ligne de saint ouais, Oui, là, on ne l'a pas fait cette année encore. Non. Puis tu, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est probablement qu'on ne le voit pas. Mais <laughs> par contre, par contre, euh, la, la femme de, de Alain, Maryse a eu l'idée, vu que les enfants, nos enfants ont commencé à avoir des petits-enfants, oui, oui. nous, en, en, les familles Crête, Perrault et la mienne, à l'époque, c'était avec Dominique en 90-91, quand Émile et Charles sont nés, les plus, mes plus oui, vieux oui, aujourd'hui, oui. on allait à chaque année dans le Maine. Okay, tout le temps. Okay. Fait qu'on recrée ça cette année. Oh, une semaine dans le, le Maine. Okay. Les parents, les enfants, avec les petits-enfants. Petits okay. On fait ça. ça oh, cool, sauf ça. que là, je vais te faire rire en même temps. Là, je vais parler d'argent en deux secondes. Mais... <laughs> Louer une même maison dans le monde. ça a aucun sens. On a loué une maison pour une semaine, 7 jours, pour 18 personnes. Donc, c'est une très, très oui, grosse okay. maison. Oui. C'est plus 15 000 US. Là. Ah, ben oui, ben oui c'est sûr. Mais nous autres, dans le ouais. temps, une maison, ça coûtait 3000. Là. ouais c'est ça. <laughs> non, non, mais. Ça n'a pas de sens. Puis aux États-Unis, tous, ben, tous ceux qui aiment, aller aux États-Unis, puis le Maine, tu sais comment ça a été fort. Au Gun ouais. moi, je suis allé plusieurs fois. Ouais. Puis, la plupart des gens à qui je parle sont allés plus souvent que moi. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est toute la tout main faire « Wow, t'es un peu, là. Ouais. Les affaires à 68$, il y en a un petit peu <laughs> moins. <rire> mais en tout cas, quand ça a été. Mais c'est facile, autrement dit. Il euh, faudrait faire ça, des faudrait. Moi, j'ai tout en même date. Mettez une date, on la changera. Sinon, ça marche pas. c'est quoi? Quand JP m'a appelé... Pis il m'a dit Il me reste une semaine de vacances. Parfait. Moi aussi, on planifie ça. Mais ben, on l'a fait. Ouais, bravo. Tout le long qu'on était là, puis il y a des gars qui nous textaient où on parlait avec d'autres, peu importe. Ouais. La, la, la... Tout le monde disait hey, Vous êtes bien chanceux On n'est pas chanceux, on l'a organisé. On l'a fait. On y va, on est allé. Ah, mais moi, je ne peux pas, deux enfants, je joue au soccer. Je comprends. On n'a ah, ouais. pas tous la même situation. Ça, je comprends très bien. Mais il y a trop de gens, je pense, qui disent Faudrait. Ah, lui, il est vraiment chanceux. Ah non, non ça m'énerve, ça. Ben, non, non. c'est pas un tirage, là. On a payé, on l'a on est allé, puis je pense qu'on va y aller à tous les ans, mois de mars. Ça se peut, hein? Oui. Ben c'est un bon timing pour toi. Oui. C'est un mois avant que ça reprenne un exact, peu plus. C'est Bon. J'ai pas le choix de te parler de ça, parce que Dan Pou, Gilles Parent, c'est la radio pour bien du monde pendant longtemps. Oui. Est-ce que tu penses encore à la radio? Est-ce que tu t'ennuies de la radio? Il faut que je te le demande à chaque fois. Puis est-ce que. Écoute, la dernière fois, tu m'avais dit que tu écoutais moins qu'avant. Oui. C'est encore vrai. C'est encore vrai. Mais je ne peux pas te dire j'en ferai plus jamais. C'est quoi? va falloir que ça soit un win-win. Mm -hmm. Puis ça, c'est une des choses que tu m'as enseigné puis que je me sers dans ma job actuellement. Moi, je donne toujours l'exemple. Le club de gueule, une fois, il me trouve bizarre un peu. Je donne toujours le même exemple. Dit, quand un pire, une porte-parole ou un porte-parole d'un artiste appelait les recherchistes à Gilles puis il disait « On aurait Rock Voisine qui est en mmh. spectacle à San Rousseau, Il aimerait ça aller voir M. Parent. » On sait très bien qu'il ne voulait pas tant que ça aller voir M. Parent. Il voulait vendre des billets pour son show. Ben oui. Et Gilles répondait toujours la même chose. Est-ce que c'est bon seulement pour Rock Voisin ou c'est bon pour notre show? Les gens dans lauto souvent, à la capitale vont Ils veulent -tu dire. veulent-tu ça? Hey, « Qu'est-ce qu'il fait là pour parler à Rock Voisine? C'est un peu la base. Hein. Oh. S'ils disent non, oh, un instant, hey, là, là on, a, on a touché le point que Rock Voisin a joué dans l'équipe de hockey du Cégep Limolou en 86, puis c'est le cas. Ouais. Là, je ne sais pas si c'est 86, mais tu sais que c'est ouais. un ancien très bon oui, joueur oui, de oui, hockey. Oui. Là, la là, personne, on okay. là, Gilles, oh, ouais. il va jouer. C'est un win-win. Lui, est content parce qu'il vient plug Moi, je vais apprendre des choses aux gens. Exact. Je suis d'accord. Fait que moi, dans ma job de tous les jours au club de golf, avec des employés, avec des partenaires, avec peu importe la situation, je me dis tout le temps, c'est un win-win. Fait que si la réponse est oui, mm -hmm. c'est correct. Ça, Donc, si moi, j'ai un appel demain matin pour aller faire deux jours de radio, un mois de radio, un remplacement, peu importe la situation, un, il va falloir que je sois certain que les gens avec qui je vais travailler, je m'entends très bien avec eux. Puis, je vais peut-être y aller, mais il faut que ce soit un win-win. L'autre enseignement qu'on qu qu met en, qu peut mettre, que tout le monde peut mettre en, euh, en place, c'est de se dire quand on est, mettons au golf avec tes employés, se dire, imaginez-vous que le client qui arrive c'est vous. Ben Comment ouais. voudriez-vous ben oui. être accueilli? Ben, ben ouais. à radio on se disait quoi, Dan, tu rentres en Imagine-toi, toi, toi tu, là c'est les sports avec Dan Tu T'écoutes, toi es dans le tour. C'est intéressant, c'est facile, ben c'est facile. Quand tu as ce prémice, cette prémisse-là, tu dis faut j'aille de quoi de plus les autres. Il oui, faut que oui, j'arrive avec une histoire. C'est oui, une histoire. Puis Là-dessus, j'aime beaucoup Régent Tremblay quand il dit faut raconter des histoires Pas, oui, pas pour inventer des biaiseries, oui, oui. mais raconter. Puis souvent, c'est ça. Hein. Mais Gilles, je vais te faire rire. En fin de semaine dernière. Ah oh, oh, oui, c'est vrai. Ce que je ne t'ai pas dit de mon voyage à Myrtle Beach, c'est que tu sais que j'ai un problème de dos, ça fait très longtemps. J'ai pas donné une grosse chance à mon dos. Hein? 20 heures de route descendre, on a arrêté de coucher, par contre, faut que je le précise. 20 heures de route revenir, on a arrêté coucher aussi une fois. Puis, 8 rondes de golf en 7 jours. Non, non, ça, sais Pour l le dos, c'est... Ouais. L'hernie discale que j'ai dans le bas du dos qui attend juste de sortir, à la sortie, là. elle sorti. Elle sorti pas pire, oui. J'ai été 11 jours au ralenti. OK? 11 jours. Pendant ou après? Juste en revenant. OK? Du dimanche qu'on est revenu jusqu'à jeudi dernier. 11 jours au ralenti. Quand je dis au ralenti, pas capable de mettre mes bas le matin pour les mettre dans mes souliers. OK? suis euh, allé travailler certaines journées au club, il y a d'autres journées, j'ai fait du télétravail. Un peu d'antidouleur, t'as pas le choix? Non, ben oui, mais c'était des antidouleurs qui ne donnaient rien. OK. Jusqu'à jeudi dernier où là, j'ai rencontré mon médecin de famille et euh, euh, il m'a prescri prescrit prescrit okay. de quoi. Leur le remède, fort. ça prenait, là, oui. Le remède je... de, euh, de cheval, quand miracle, là. Puis là, ça va mieux. Mais dans ces journées-là, euh, je n'étais pas capable vraiment de fonctionner. Mais, non, mais ouais, la non. meilleure position que j'avais, c'était debout. Je faisais mes nuits, je dormais là. Puis, euh, je faisais bien comme, comme les bébés. <rire> ouais, ouais. <rire> Puis, euh, assis, c'était catastrophique. Okay. Parce que quand je me relevais, j'avais mal. Sauf que là, je suis allé voir du hockey senior. Je suis allé voir du hockey midget 3. On était en série, puis j'avais le fils d'un de mes chums qui ouais. jouait dans l'équipe. Fait que là, je me suis revu quand on travaillait ensemble. Tu sais, tantôt, tu disais, faut tout avoir de quoi de différent. Ouais. Mais si le Canadien a perdu 4-2, dis pas 5-2 pour être différent. C'est 4-2. <laughs> Mais il faut que tu trouves un angle qui ouais. va faire en sorte que tu vas intéresser tout le monde dans l'auto. Ouais. Mais... Moi, ma ben, game midget War, que je suis tout le temps allé boire avec toi, puis il n'y a jamais ni toi, ni d'autres boss de radio qui m'ont dit Ouais, toi, Dan, il faudrait que la fin de semaine, t'ailles voir du midget War. Mais non, mais non. Moi, j'aimais ça pour le vrai. Passion, ben, ça paraissait Je savais que là, j'allais rencontrer des recruteurs, des parents de jeunes, de quoi dire des coachs qui me racontent des histoires, puis là, je reviens, puis je choisis laquelle des histoires est racontable en onde. Puis là, je reviens, puis ça nous fait une discussion le lundi ou le mardi, en revenant. T'sais? Fait que, en fin de semaine dernière, j'ai fait ça. J'étais allé voir des games d'hockey de parce que j'étais bien debout, puis j'avais moins mal quand j'étais debout. Euh, puis j'ai même eu un chauffeur aller-retour pour aller à Sainte-Marie, voir une game senior, mais mon chum fil Fait que, tu sais-tu quoi? J'aime ai, encore ça. Tu sais, tu me dis tantôt, la question, c'est le Dan Poo qui faisait les sports dans le temps, il subit-tu ça encore autant qu'avant? ben la réponse est non, mais j'aime encore ça pour me surprendre d'aller aller voir des games que je ne serais pas obligé d'aller voir. Maintenant. On va dire ça demain. Mais puis, en fait. Le fait de parler à la radio régulièrement, ça peut te manquer, mais ou le golf te permet ça aussi? J'essaie de voir. Ben, le, le golf me permet de jaser aux gens. Le golf me donne un feedback. Les gens sont contents. C'est un service à la clientèle qu'on donne. Mais ce qui me manque le plus de la radio, c'est l'esprit d'équipe autour du micro, dans la mesure où il y en a un. Il y en a eu un, ah oui, a un bon longtemps, temps. Oui. longtemps. Quand tu es parti, après, c'était plus tough un peu, mais euh, il y en a eu un. Euh, ceci dit, Gilles, ce qui me manque le plus, c'est le feedback avec les auditeurs. Moi, là, m'en aller au IGA puis me faire parler des remparts, puis du Canadien, puis du Wild, du Minnesota, ça me dérangeait pas. J'aimais ça, pour vrai, parler avec les gens. Puis peu importe ce que je, le feedback, quelqu'un qui m'envoie un texto ou un courriel, mes poules de que je faisais. Les on calin, a, je fun, parler, mais je m'en fais encore parler. Il y a en, encore des gens qui me disent, « Tu vas-tu faire un poule cette année? » Mais ça fait quatre ans je suis à radio à temps plein. Je ferais pas un poule de hockey dans le Saint-Hubert, tu comprends? Mais on a fait ça, puis on a mis 400 personnes un soir, là. Fun. Faut que je te dise, j'ai pensé à toi. Je suis allé hier parce que mes beaux parents voulaient aller super restaurant J'étais allé à une nouvelle cage, l'ancien beau Oui. Puis j'ai eu un flash. J'ai pensé à toi. Puis j'ai dit Christy que c'est une belle cage. C'est beau. Très beau. Je suis Mais allé. Sais, oui. Moi je t'ai pas oui. allé. Oui. Puis euh, l'écran géant me fait penser au plus gros bar qui est en face oui. de euh, comment c'est non euh... L'Arena des élites. Oui c'est ça. Oui, the Real Sports Bar. Ou t'as un écran géant ouais. d'une de, de, grandeur... 900 places. C'est ça, c'est complètement ouais. fou. Ouais. Puis à chaque fois, je faut que j'aille voir pour bon, ouais. me Puis j'ai eu, je te dis pas que c'est aussi grand, mais à Québec, je pense qu'il y a des gros écrans que j'ai vus. Puis j'étais content de voir euh, que ça bougeait encore. Ouais. je me disais, s'il y a quelqu'un qui peut réussir... Tu sais, on parlait de Saint-Hubert, des, des grosses ouais. bannières de ouais. même, ouais. puis la cage. D'après moi, ça peut marcher là-bas. Mm -hmm. Parce c'est pas facile, là. T'es d'accord, hein? c'est un endroit, non. tu sais pas trop où stationner, faut aller en dedans. J'ai été étonné, je suis content qu'il y ait du monde. Je oui. suis content de voir que le, le menu il est beaucoup plus large qu'avant, je ne pas aussi souvent. Il y a un de temps, il y allait, oh je suis te voir à Charlebourg. Je... Non, c'est bon. Quand non, non. On... C'est bon. Il y, a, il y a vraiment à côté... Oui. C'est le fun. Ben, je, ça me fait penser. Il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à ce qu'on faisait, inévitablement Ils ont fait un virage, la cage au sport, il y a quelques années, tu sais, avec le chum de Patricia oui. Quelqu'un, comment il s'appelle, Louis-François Marcotte. Marcotte, C'est oui. lui, le chef cuisinier, qui a revampé, pas si... oui, oui, absolument, qui a revampé lui. le oui. menu. Oui. J'ai eu, euh, dans notre euh, association des, euh, des dirigeants de golf, on a eu un congrès à, en novembre dernier au Château Frontenac. Puis un des invités, Gilles, c'était Jean Bédard Chef de oui. scène. Et là, tu sais qu'il y a eu une association hum. avec, avec Pierre Moreau et le Grand Presto Plaisir. C'est vrai, c'est vrai. Mais lui il expliquait, dans le fond, Jean Bellard, qu'il y avait le restaurant La Cage au Sport depuis la première, je pense, 86 ou 87 au Québec. Puis là, ils sont rendus avec plusieurs. Mais il dit là, nous, on avait le restaurant, on va dire, familial La Cage au Sport. Il dit en haut, de nous, il y avait des restaurants de gamme. Puis en bas de nous, autour dans l'échiquier, il y avait des fast food mais là, il dit, de plus en plus, il y, a, il, y a, il y a des nouvelles catégories qui ont été créées. Des restaurants sont arrivés, mettons, P.F. Chang à Montréal. Oui. P.F. Chang ou deux, tu sais. Puis là, après ça, il dit, là, il dit, nous autres, on était perdus dans notre catégorie du milieu, là. On était entre le haut de gamme puis le fast-food. J'ai trouvé ça super intéressant, la façon dont il a raconté ça. Pourquoi il a fait le move Il dit, a fallu se trouver un nouveau créneau. Il dit, là, on ne pouvait plus juste vendre des ailes de poulet et de la bière. C'était plus assez pour survivre. Ouais. Trop, trop trop sectorisé, trop précis, exact. trop spécialisé. Donc c'est une belle alliance effectivement, parce que c'est un monde. Tu sais, moi j'ai beaucoup beaucoup de respect pour les gens de la restauration parce que ta réputation des d'aimer tes employés ah, tout ouais, le temps, à chaque ouais, jour, puis ouais. le monde est chialu, puis ça coûte ouais, cher, ouais. fait que le monde se plaint. Puis ouais. ah non non, écoute Dan, il y a toujours, puis t'es dans le service à la clientèle mur à mur, mm -hmm. ça prend ça prend du gosse en santé Écoute, on va on va faire un peu du sport parce que je je pense que les gens s'attendent à ça. Moi j'y tiens aussi. Il y a deux trois affaires majeures. Ouais. Ouais. On va, on va regarder le hockey pour après parce que je veux je veux passe un petit peu sur le baseball majeur. Je sais que t'aimes le baseball. Ah, J'adore le baseball. Je, je t'ai déjà dit une couple de fois. Quand je tombe sur du baseball, ce, qui a été bonifié par la, la, la télévision maintenant, oui, oui. Les, les, les zones d'arbitre, ah, oui, ça, 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 ça nous aide oui, comme le oui, football, c'est extraordinaire. Oui. Fait que je tombe là-dessus, souvent j'accroche une coupe de manche, je trouve ça bon. Ils ont réussi à rendre ça plus dynamique que c'était. Oui, oui. Ça pouvait être plate, le baseball. Oui. Là, je parle même à télé. J'ai une stats pour toi. Ça prenait au moins une stat à ben oui, franchement, ben oui. <laughs> euh, Tu viens de parler du, euh, du petit carré qu'on ouais. voit à la télé. Parce la zone les, des prises. Là. La zone des prises. Les arbitres sont très bons, tu le sais. Maintenant, il y a des reprises vidéo avant, il n'y en avait pas. Pas des reprises vidéo sur balle prises. prise, euh, sur décision des décisions de jeu au premier but, des c'est ça. Ouais. C'est ça. Euh, des vols de deuxième but, exemple, mais sur la zone des prises, on dit que les arbitres au baseball sont excellents. Je disais une stat hier qui disait que dans la journée d'ouverture, le, le baseball, cette année, ça a commencé en Corée avec les Padres et les Dodgers pour deux games, mais c'était jeudi, le 28 mars. Okay? Dans la seule journée d'ouverture. Ils ont pris le petit carré de la zone des prises puis ont regardé tous les lancers faits par les lanceurs cette journée-là seulement. Tous les lancers, il y en a combien qui étaient, mettons, dans la zone des prises puis l'arbitre a 10 balles ou en dehors de la zone des prises puis l'arbitre a 10 prise. Les mauvais calls en guillemets, en québécois. Là. Des, des mauvais appels des arbitres au total dans tout le baseball, mais dans une seule journée. On dit que les orbites au baseball sont excellents. Il y en a eu 166. Je suis renversé. J'aurais jamais dit ça, j'aurais dit 15. Ben, moi aussi, pense que je pense qu'il me serait dit une douzaine. Mais, ça va trop vite? Pas, oui, mais pour te montrer à quel point la ligne est mince entre ce fameux carré-là et la vraie zone. La balle arrive à 94, mais là, là, Gilles. T'as pas une demi-heure. as arbitré pour... au baseball. Oui, quand j'étais je jeune, absolument. Oui, ben écoute, ça allait pas oui. vite de même, mais on a. Non, mais. A... Moi, je trouvais qu'il y avait de la misère à voir. Je l'ai fait moi aussi, de figurer ses genoux. Oui. Dans le fond, la ligne, c'est les genoux. Puis le, le... Les aisselles. Les aisselles. Mais, mais Gilles, le gars, pas une demi-heure pensait à son affaire, là. Ces balles aux prises, là, là. Celui là Ils ont manqué 166, c'est bon, <laughs> bon J'ai vraiment pas de quoi quand j'ai vu ça. Mais le baseball, j'aime ai... ça pour le vrai. J'ai vu un match dans un stade du baseball majeur, dans 26 stades du baseball. Là, tu vas me dire il y a 30 équipes, t'en manques juste 4. Non. Parce qu'il y a des villes où je suis allé deux fois. J'ai vu deux fois le Yankee Stadium, l'ancien et le nouveau. À Détroit, même chose. À Toronto, j'ai vu le stade de l'exposition quand j'étais. Tu as pris. vu Chicago? Vu, oui, j'ai vu les Cubs, j'ai vu les White Sox, mais il m'en manque plus. Tu comprends que je ne ferai pas le tour? Non, non. Parce que c'est rare que l'été, tu dis à tableau, on va aller en vacances à Cincinnati. <laughs> tu comprends, Ou à Kansas City. Fait un Ça moment donné, peut être la dernière? Peut-être. Peut-être. Peut peut qu'à la retraite, je vais aller voir les stades que j'ai pas vu mais pour l'instant, je n'ai vu 26. J'aime ça pour le vrai, le baseball. Je suis dans un pool de baseball. On a fait notre pool la semaine dernière. 31e saison de notre pool de baseball. Plus que le hockey dans un pool, dans le même Absolument, pool Absolument. C'est un pool à vie. C'est un pool à vie, en fait. C'est un pool où on protège les joueurs. À peu près les mêmes gars. Euh, oui, on est 16. Je pense qu'il y en a 12 qui sont là depuis le début. C'est vraiment le fun. fun. Qu'est-ce que vous choisissez Ne me pas tout le détail, mais. Non, mais on, on le choisit, meilleur joueur, on comme au hockey. On protège les joueurs hockey. On en protège 12, puis on en repêche 12 autres. Fait que dans le fond, on protège un receveur, un premier but, un deuxième but, un troisième but d'un raco, puis on en repêche la même position. Dans les deux ligues ou juste euh... Partout, baseball majeur Ok, au et complet. Okay. Exactement. C'est vraiment le fun. Il faut suivre ça un peu. peu. C'est plus dur pour toi que, que choisir au hockey dans non, un, non. un pool? non. Non, ok, parce qu'on On ça. les connaît parce qu'on okay. les a suivis. Tournoi des maîtres, golf un peu, on a parlé un peu tantôt, mais tournoi des maîtres. Le, le tournoi des maîtres, à chaque année, c'est la tradition et c'est le seul tournoi majeur qui est joué sur le même terrain. Le US Open, il déménage d'un site à l'autre. Le il British, British Open, même chose. Le championnat de la PG, même chose. Le tournoi des Masters, c'est à Augusta, en Georgie. Le billet n'est pas achetable parce que tout le monde veut y aller puis il n'y a pas de revendeur puis c'est des droits acquis, des familles et tout. Il y a une loterie. Je participe à la loterie à chaque année. Mon nom n'est pas encore sorti, mais il y a des Québécois que je connais qui sont déjà allés dans des rondes de pratique, dans des rondes du vrai tournoi. Euh, ça coûte seulement le prix du billet. Ce n'est pas une revente. C'est master.org, okay, okay. qui organise une, rue, une euh, loterie. C'est pas c't'obob qui vend ça, là. T'appliques, puis ils te disent à l'automne, malheureusement, vous n'êtes pas sorti cette année, mais la bouteille d'eau est à une pièce et demie hein, au master. Eux autres, c'est pas okay, l'argent, c'est pas une trappe à touristes, C'est un événement d'envergure, Puis ce qui est le fun, c'est oui, les nombreuses victoires de Tiger, c'est Peut-être la présence de Tiger, encore une fois. En tout cas, on travaille pour ça. Le, le maillot vert, c'est là? c'est Le, 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 veston, le vert veston vert pour oui. le champion à la oui, fin. Okay. Et il y a un, un souper du champion la veille de l'événement ou la veille, l'avant-veille, le mardi, je pense. C'est le champion de l'année d'avant la qui choisit le menu. Mais, mais la tradition... <laughs> tu sais quoi, Gilles? Il y a une grosse division actuellement dans le golf qui, moi, me déçoit comme amateur de golf. C'est la livre qui est entrée ben oui, en, en oui, ligne ben de oui. compte, tu oui. sais, avec les gens du, du fond de l'Arabie saoudite. Mais... Il y a plusieurs réunions actuellement. Le, le commissaire de la PGA, je te dirais, euh, M. monsieur Monahan, il est sur la sellette. Il gagne 17 millions par année, mais ça se peut qu'il soit pas renouvelé pour 10 ans, mettons, là. Okay. Il a échappé deux, trois dossiers dans cet épisode-là. Et moi, ce que j'aime comme amateur, c'est de voir les gars de la Live qui jouent dans un circuit de trois rondes en Bermuda pour faire beaucoup, beaucoup d'argent. Là, pour les tournois majeurs, ils ont accès à revenir. Fait qu'ils vont être là au tournoi. C'est bon des pour le golf? Dans le fond, pour l'amateur de golf. Il faut qu'on voit tous les meilleurs dans le même tournoi. Je suis d'accord. Même si ça doit faire skier quelques-uns. C'est du bonheur. Cette année, c'est euh, 11 ou euh, 14 avril. Mais tu ne peux, peux pas manquer le de tournoi des maîtres. Ça donne le coup à la saison aussi. Ouais, ça, part, ça donne ça part. le goût, puis ça donne le, le coup. Le coup départ, ouais. Les golfeurs de la région de Québec, là, quand le tournoi des maîtres arrive, ils se disent Yes, là on, on va jouer au golf. Ça s'en vient, ouais. Le golf s'en vient. Ouais. Ouais. Euh, on va parler de la Ligue nationale, c'est notre sport national, le hockey pis tout ça. Puis moi, tu sais que je suis surtout les stars de oui, la Je veux pas oui. qu'on s'arrête là-dessus nécessairement. Mais il mais y on a une pas, bonne équipe, on peut on... s'arrêter. Bah, ouais, bah, j'ai une bonne, bonne, une bonne année, tu sais, comme amateur, oui, j'ai eu oui. plaisir. Puis quand les gens me disent C'est quoi ton... Il y a toujours quelqu'un qui me dit Pourquoi tu prends pour les stars? Je leur explique que c'est mon fils. Mike Ma Modano. Ben, là, on a parlé de Modano cette année, il était intronisé oui, à la boîte de la oui, Patente. Oui. Fait que je dis ben là, j'avais l'occasion d'en parler. Je dis mon fils, ce qui est plus drôle, c'est que mon fils... Euh, m'a amené à aimer les Stars à cause de Modano dans le temps. Ça fait 15-20 ans, peut-être. Puis euh, à ses débuts, fait que ça fait un beau, ouais, à peu près une vingtaine d'années. Oui. Puis après ça, euh, finalement, lui, euh, graduellement, à cause de ses amis, Émile, tu sais, grand chum de Jonathan Marchessault, grand chum de David Savard. C'est oui. vraiment des amis proches, la oui. famille, les enfants, oui. et tout. Puis euh, comment il s'appelle le grand... Ah, que, Alex ouais. Chasson. Alex Chiasson, c'est oui. ça. Fait que tu sais, il y a une couple d'amis vraiment proches. Fait que là, il y a comme débarquer un peu, de, il s'est rapproché, puis là savoir est arrivé avec les Canadiens. Fait que finalement il prend plus les Canadiens. Oui. Puis mon père, tu sais, je l'ai dit mille fois, lui il se levait à nuit pour dire le Canadien. Ah, fait ah, ah, aujourd'hui en même temps je comprends que tu le club avant c'était nationaliste québécois là, les clubs du Canadien c'est comme les autres clubs. Hein? C'est ça. C'est le monde entier dans ton non, club. Non, puis tu sûr. veux qui gagne, tout ouais, ça. Ouais. Tu sais, c'est intéressant. Puis je trouve qu'une année en tout cas, on arrive aux séries, au pas des séries, manque là, au moment où on enregistre, on est quoi le 3 avril? Fait qu'on va être diffusé à partir du 4 avril, les gens qui nous écoutent en fin de semaine, on est sur le bord de finir la saison. Exact. Puis c'est le fun, c'est pas réglé. Puis il y a une coupe de petites courses, le fun. Il y a un gars il dit oui, peut-être que Roi, les deux victoires récentes, ils peuvent passer, c'est le fun. Si on regarde ça parce qu'il y a eu une mauvaise série. Puis là, évidemment, tu quelqu'un qui sort la stat en disant Les Highlanders, avant Roy, était meilleur que maintenant. Mais là, il y a drôle, tu les haters qui sont là. Puis il y a quand même, je dirais entre et 10 clubs. Dans les villes, c'est pas moi qui l'invente, je l'ai entendu, mais je trouvais que ça avait bien du sens. Il y a 5-10 villes où on se dit cette année, on peut gagner à coup. Absolument. Ça veut dire qu'il y a une certaine parité. Ah, là, il y a une énorme parité. Puis je ne me souviens pas d'avoir vu autant d'équipes pouvoir aspirer aux grands honneurs. Tu sais, des années. 5-10, c'est d'accord? Ben peut-être pas 10. Je te dirais 6-7. OK. J'arrêterai à 7, là. Okay. Mais. Combien de fois, Gilles, on a regardé ça puis on a dit ouais, là, les Canadiens ouais. sont forts ouais, ouais. en euh, tête, les Rangers puis t'aimes pas eux mais après ça, oh ça Ouf. va prendre une bonne surprise. Ouais. On avait tout le temps deux, trois, quatre clubs en forçant, quatre oui c'est vrai, mais jamais sept comme on a là. là. Non. C'est c'est des bonnes équipes de hockey. Et les équipes qui ont déçu, évidemment. La grosse déception cette année, c'est les Devils. Là. Les Devils, ils ont congédié le coach trop tard, ils ne sont jamais trouvés un gardien de but, puis ils vont manquer les séries par leur faute. C'est une équipe qu'on pensait qui allait rentrer dans les série ouais. facile dans la division métropolitaine. Ouais. Mais des belles surprises. Les Canucks de Vancouver, tu te dis attends un peu, là. Moi, peu... je ne sais pas, vous venais pas en te dire oh. C'est à peu près le même line-up que l'année dernière. Pourquoi le sont sans points mais ils n'ont pas fait l'année passée? Fait que ça, c'est le fun. C'est un nouveau coach, Rick Tockett, qui réussit à amener une chimie, puis les gars, ont du fun à jouer ensemble. Mais sérieusement. Je ne me souviens pas d'avoir vu autant de bonnes équipes dans la Ligue. Les Hurricanes à Caroline, c'est une machine. Ils viennent d'ajouter Kuznetsov et Gunzel. Il a pas besoin Sont de ça. Hein. T es, t es. Ils, ont, ils, ont, ils ont ajouté ça. Mais dans le but, on n'est pas certain. C'est un jeune, Kokachev, puis Frédéric Henderson est toujours blessé. Fait on n'est pas certain pour le, dans le but. C'est sûr. À l'inverse, Boston, ils ont deux gardiens, ils ont divisé toute l'année, Ulmagh et Puis Ils ont demandé à Oulmak d'être échangé à la date limite à Los Angeles. Il ont refusé la transaction. Ça a fait en sorte qu'ils sont restés deux. Puis je pense que ça va les aider pour les séries parce que leurs deux gardiens vont arriver reposés. Mais là, euh, le coach est un peu inquiet. Montgomery il disait, il disait que depuis un mois ou deux, il trouvait que c'est vrai. Qu il il jouait moins bien. bien. Absolument. Mais à un moment donné, hey, tu ne peux pas jouer non, 82 non, matchs non, à la coche pour gagner 3 1 tout le temps. Là. Non. Mais ce qui est le fun pour les Canadiens, ben les, je ne parle pas des Canadiens de Montréal, mais tu as au moins trois clubs canadiens intéressants. Là. Oui. Toronto, oui. Vancouver et Winnipeg. Edmonton, non, Elle... je ne crois pas Winnipeg. Je oh, mettrais Edmonton, moi. OK. Mais moi aussi. Trois, je suis d'accord avec aussi. toi, mais j'enlèverais Winnipeg. T'sais, on tape, là, puis moi ce soir, j'ai un Edmonton Dallas. penses tu que ça va être un match, Ben hein? oui, mais oui, c'est bon en fou. Le moi, je trouve que l'Ouest va plus vite que l'Est. Oui. Est-ce que je me trompe? Non. Je ne dis pas que l'Est n'est pas bon parce que moi, si j'avais un 5 pièces à mettre, tu sais que je ne gage pas. Pas vrai, j'ai gagé avec mon fils. <laughs> on a gagé tôt pour le fun. Mais euh, pas une grosse gageure. Mais je dirais que ça va se gagner dans l'Ouest encore. Mais, mais Vegas est champion en titre de la Coupe Stanley. Ça se peut qu'il perde en première ronde. Ils sont, depuis un mois ou deux je comprends pas ce ah, club là ils sont tu c'est euh, quoi qu'on dit inconstant Con, exact c'est ça je veux dire euh, mais sérieux c'est puis les allures Edmonton là, un jour là, on l'adore avec David puis on trouve qu'il y a vraiment un bon duo avec Bryce Sattel mais il va falloir qu'il gagne Oui. qu'est-ce qu'on a dit de Joe Sakic à l'époque ouais il est ouais. bon mais, mais il faudrait qu'il gagne une coupe hop ne gagné au Colorado tout est Parfait. beau La tout restante, est beau Joe Sakek, ouais. est... Il aller, euh... Steve Evans qu'est-ce qu'on a dit mais quand Steven Zemmour a gagné sa première coupe, on a dit parfait. Ça va il est, est bien C'est réglé. Ovechkin, on a dit quoi? Ah, oh, j'aime mieux Crosby. Pourquoi tu mieux Crosby? Ben lui, il gagne des coupes. Quand Ovechkin vrai. et les Capitals ont gagné la Coupe Stanley, il n'y a pas longtemps, là, en ouais, finale contre ouais. Vegas, tu te souviens? Là, on a dit parfait, Ovechkin. Mais, hey, petite parenthèse sur Ovechkin, Gilles. Je sais qu'il est en fil. Non, il ne le temps file pas, pas de casse, arrête. est en podcast. Mais c'est extraordinaire ce que Ovechkin est en train de faire. Les gens ne réalisent pas, là. Parce que les Capitals, c'est une équipe ouais. correcte, qui vont se battre pour les séries, ils vont peut-être les faire. Tant mieux s'ils les font. Mais Alexander Ovechkin a deux ans à son contrat. Et cet hiver, il a dit « Moi, je me rends pas plus loin que ça. » Là, Les gens se sont dit « Comment? Pourquoi t'arrêtes? » T'es en train de pourchasser le record de tous les temps qu'on ne pensait jamais qu'elle allait être battu d'un gars, Wayne Gretzky, qui est le plus grand marqueur de l'histoire du hockey, qui a réussi 894 buts dans une séquence où tout le monde gagnait 7-5. Là, t'as un gars qui joue dans les games 2-1 et 3-2. Puis est à 45 ou là, là j'ai pas fait un non, décompte récent, non, non, non. je pense qu'il est rendu à 40 ou 41 buts de Gratzky. Ça veut dire que, mettons qu'il reste 4-5 games, il en fait 3 buts, mettons. Ça veut dire qu'il va y manquer 37 buts à compter du début de la saison prochaine. Il y a 2 ans de contrat. Ça veut dire que c'est 2 fois 20 buts puis il le record. C'est amplement réalisable. Ben oui, ben oui. Et c'est extraordinaire comme record. Là, je ne veux pas relancer le débat dans ton podcast. C'était-tu mieux que Crosby ou Ovechkin? Ils ont eu le même genre de carrière? Non, non, le, le point est pas... La faire Crosby. Je l'adore, Crosby, oui, Crosby, autant Crosby. que vous. Il a prouvé sa valeur, voyons. C'est un grand, puis il a dominé sa, sa génération. Mais un instant, Ovechkin va battre un record de buts de tous les temps établi par Wayne Gretzky, Qui a battu à peu près tout, là. puis on ça, disait plusieurs ça, inatteignables. Ça, il faut applaudir ça pendant deux heures de temps, quand ça va arriver. là. Oui, ça. parce que c'était presque inimaginable. absolument. C'est bon, c'est bon. Euh, Veux-tu me parler de Conor Bedard un peu? Ben, d'abord, hey, Moi, je, je vais, je vais te dire que je suis vraiment épais, mais je, je vais vraiment profiter de ta présence. Ça va être plus ouais. facile. Et il y a un il y a comme un full face, là. si tu fais de casser la gueule? Moi, j'ai oui, tout il manqué Oui, il manquait six semaines. OK, Je sais qu'il okay. était blessé, oui. mais je sais pas oui. c'était à quoi. J'imagine oui. c'était au visage, là. Oui, la mâchoire. OK. Mais, euh, mais Conor Bedard, il est meilleur qu'on pensait. Et il est bon plus vite qu'on pensait. OK. Fait que c'est un joueur d'exception. Fait que quand tu vois des jeunes sortir des rangs pour puis avoir une exemption puis jouer à 15 ans dans le junior majeur. Tu dis, ouais, OK, il dominait, on va lui donner l'exemption. Puis après, ça, John Tavares l'a eu. Il y a eu des très bons joueurs qui ont eu l'exemption pour jouer à 15 ans dans le junior majeur, alors que c'est 16 ans normalement, la première année. Lui, il l'a eu dans l'Ouest. Fait que là, il était temps qu'il arrive à être empêché, Tu quand McDavid aussi, l'a eu dans l'Ontario. Mais quand on physiquement, il n'est pas gros. Fait que là, probablement qu'il y a des gens qui avaient des doutes, mais il a tellement été bon au championnat mondial de hockey junior que tu dis quand il va arriver dans la Ligue nationale, ça va être. Mais là, il n'a même pas fini sa première année, Gilles. Puis on peut tout de suite penser que c'est un joueur de génération. OK. Est-ce que. C'est pas une fusée comme McDavid puis McKinnon. McKinnon Mais de pas McDavid c'est des rapides, là. Peut-être pas que tes C'est vraiment pas le même genre. Okay. Mais c'est un gars qui a un QI hockey au-delà de tout ce qu'on voit dans l'hockey. Fait que. Tu sais, il... quand il y a un coup en avance, là ben, Ça t'aide à bien t'en sortir. Euh, tu as parlé de déception. Tes surprises positives dans la Ligue nationale cette année? Euh, la Floride. La Floride, je les aime. Puis ils sont rendus en finale l'année dernière. Puis ils sont revenus aussi fort cette année. Euh, Toronto va bien. Moi, pourquoi j'suis... on n'y croit pas Toronto hein? Ah mais moi j'y crois. crois, ok parfait. Ben, j'y crois. J'ai été déçu comme tout le monde là. Ben oui, oui. Mais ben, je trouve qu'il y a une belle équipe, ils ont du talent là-dedans. Absolument. Des scores, hein. Mais ce groupe de joueurs -là, là, les quatre les top four à l'attaque, Marner, Matthews et Tavares, il faut qu'ils se soient la finale de la coupe. Là, là, là il a traversé une ronde l'année passée c'était drôle là, mais peuvent pas faire dans la première ou en deuxième ronde de cette année. Faut qu il faut qu'ils avancent. Là, on a beau dire là, Boston dans leur division, Dan c'est pas évident. Tampa Bay mm. dans leur division, pis la Floride est là, mais là faut il faut qu'il battent tout le monde. Là. Donc, Et, ils ont ce qu'il faut. Le, absolument, absolument. L'équipe qui gagne la, la coupe à la fin elle a, elle a gagné 4 séries de 4 de 7. Là. Fait qu'il faut que Toronto passe au travers de ça. Euh, les belles surprises, sinon, Nashville. Nashville est une belle surprise ben, pour ouais. moi. C'est une équipe qui va participer aux séries aisément alors qu'on pensait même pas qu'elle allait réussir. C'est un groupe de no name il n'y a pas de joueur vedette à part Roman non, mais Josie. Il 15 victoires en ligne, à monnaie pour se replacer. Absolument, absolument. Rare, tu vois ça. Là. Philippe Forsberg est bon, puis Roman Josie est bon. Puis on ont goulard correct, là, ça rose, là. il n'est pas des meilleur, il a pas des pires, mais je suis impressionné par le, les prédateurs. Qui va gagner la coupe, à ton avis? <laughs> Tantôt, je disais qu'il y avait sept équipes qui pouvaient penser ouais, à mais, mais, Ramène ça à trois, mettons, trois pour jouer de la 7. Trois, trois, trois. 3, euh, 3, 3 Tu gagais, je sais que tu n'as jamais gagé, là, tu t'es. Ouais. T'as changé. C'est quoi, On parle beaucoup des livres, si on dit qu'ils choke, mais il va falloir que les Rangers aillent plus, plus loin qu'une qu ronde ou deux aussi. Là. C'est une très bonne équipe dans les Rangers. Oui, très bon. On change de coach. C'était Gérard Galland, ça faisait pas. Ça a été Alain Vigneault avant ça, ça faisait pas. Là, ça peut pas toujours être le coach. Il faut que les Rangers aillent loin en série. Euh, si tu me dis trois équipes pour faire Possible, un chemin. Mettons. Ben à cause d'Ottinger, il faut que je mette Dallas là-dedans. Pas parce qu'on parle ensemble tu non, 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 mais parce que là, c'est raplombé. Parce que le reste du club, moi je, moi, je pense que Dallas, leur force, Dan, tu me diras si je suis un bon analyste, ils ont au moins trois lignes qui se régulièrement. Oui, oui ça, c'est ça. ça compte en, oui. Ils ont des bons défenseurs qui n'ont pas tous le même rôle. Non. Tu sais, n'avoir trois offensifs, ça donne pas ça tout le temps de quoi. Là. Mais il faut mettre Dallas à cause d'Ottinger parce que quand tu regardes les équipes qui s'en vont loin en série, là, tu vas dire, Caroline, ils n'ont pas le goal que ça prend, mais les Rangers l'ont. Chesterkin, ouais. oui. Tu sais, la Floride avec Bobrovski, ça peut encore récidiver. Je suis un peu inquiet des Golden Knights. Fait que, mettons, tu me dis trois clubs, là, en date d'aujourd'hui, Je te dirais, euh, euh, Dallas, la Caroline, puis il faudrait qu'Edmonton avance, mais les autres, c'est plus des points d'interrogation. Mettons, je mettrais une finale Dallas-Caroline, OK, ouais. ça c'est plausible. Ouais. Mais ranger, mais on pas... ouais. n'a pas parlé de Colorado encore, non, là. Non. Et Nathan McKenna, Jill, on dirait qu'il patine sur un tapis roulant. <laughs> C'est exceptionnel. C'est extraordinaire. Ils ont calmacab, puis on ils ont gardien pas si mal. Il faut mettre Colorado là-dedans aussi. Là. Puis là, tu vas arriver dans la série. On sait d'ores et déjà, avec euh, les clubs comme Nashville qui surprennent, qu'il y, y, y a un bon club qui va, qui va ben, oui, sortir en partant. Ben, oui, il y en a eu deux l'an dernier. Boston et Colorado ont perdu en premier ronde c'est le sujet ben ça a été le sujet de la semaine j'ai trouvé même émouvant que tous les joueurs canadiens aient serré la main après le match du canadien hier euh, Johnny c'est ça Johnny Murray oui, l'arbitre. La, parce que moi j'en parle parce que à la radio moi, juste par son nom anglophone oui. de Québec tu dis ah, un gars de Beauport fait que oui. je sais pas si c'est Beauport ou Charlebois c'est Beauport oui, c'est Beauport fait que tu sais il a fait son chemin en tabarouette ah, oui oui fait que je, il, il 1500 matchs, puis oui. c'est un fait d'armes oui. Il est d'un top 10 de la Ligue là, oui. dans ce qu'il fait. fait que, puis un j'ai dit, Dan le connaît bien, je veux qu'il m'en parle un peu. Oui, à, à l'époque, il participait à la, mon émission d'avant-match, puis lui, il n'a jamais respecté trop le code d'éthique qui disait que les orbites, ne fallait pas qu'il parle aux médias. Là. Mais tu sais, en même temps, quand je parlais dans l'avant-match, c'était pas parler de son école d'hockey qui fait l'été. Il y a une école de power skating ici où tous les jeunes font l'école en anglais. Là, avec le débat du hockey junior de la semaine dernière, <laughs> euh, et les gens me pas ça, entendre ça. Mais lui, il fait pour que les jeunes apprennent l'anglais aussi. Fait que tous ses enseignants enseignent aux jeunes le hockey en anglais. Et mes deux neveux sont allés quand ils étaient plus jeunes à cette école d'hockey-là. Ils ont adoré ça. Mais il n'aurait pas commencé une entrevue avec toi en disant Batman, tu es un imbécile. Là. Non. Il n'est pas cave. Non, non puis il ne dirait pas hier, finalement, il y avait un jeu sur le troisième but. C'était pas ça les sujets. Non, non, non. Mais lui, il a toujours collaboré avec moi. Fait que ça, je l'apprécie. Euh, puis. Johnny Murray, tu sais qu'hier, le match au Sand Bell, c'est lui qui a choisi les trois arbitres avec qui il allait officier. Ah, non, je savais pas. Oui. C'est pas une assignation C'est qu'ils ont fait ça? et on dit, avec qui tu veux arbitrer, C'est ça. C'est Trump, dans le fond? Oui. Il a pris euh, l'écuyer puis Furlat. Ferlat c'est un autre nom anglophone, mais c'est un gars de Trois-Rivières. C'est un gars avec qui j'étais à l'université, Eric Ferlat. Pas vrai? Un gars très gentil, mais qui, lui, c'est-tu quoi, Gilles? Quand je te dis, John Murray a toujours collaboré avec moi. Lui, j'ai fait souvent des demandes par des amis interposés, puis j'ai envoyé des messages, à appeler chez lui, j'ai parlé à sa femme et tout. Lui, j'ai jamais eu de retour d'appel. Lui, Eric Ferlat, il a respecté la ligne de conduite de la Ligue nationale, puis il a jamais, jamais. voulu okay. me parler en nombre. Mais cest quoi? J'ai été fruit de ça, puis aujourd'hui, je te dirais que. « Je respecte ça. » Je me suis adouci avec le temps. À un moment donné, j'étais <laughs> fruit, mais ben je me comprends. disais, ben « ouais, pourquoi, bon, ouais, pourquoi il ne veut pas nous parler? » Mais je comprends. Lui il a fait les règles comme la Ligue nationale les a établies. Il a respecté ça. Fait que lui il avait choisi ces deux-là, puis un autre. Arbitre, qui était en à... chef, arbitre en chef, j'imagine. Okay. Ces deux-là sont arbitres en chef, Ferlat puis l'écuyer. Puis l'autre juge de ligne avec lui, Johnny Murray, c'était pas un Québécois, mais c'est un gars a qui s'entend bien. C'est lui qui a choisi les, les arbitres. C'est tu des... Euh, bon, je, je pense pas que tu as déjà donné son salaire, c'est peut-être même connu, mais c'est connu. Tu bien payé connu. les arbitres oui. Oui, ben, en fait, Mettons un arbitre puis un juge de ligne, c'est tu le même non, non, c'est plus payant être arbitre en chef. Mais je te dirais que là, on doit être rendu à des salaires qui sont, je dirais. Autour de 400 quelques mille pour l'habitant chef puis à peu près 250 pour le juge de ligne. Mais ils payent rien, il il paye voyage, matin Je veux dire la nourriture, l'avion, l'hôtel, puis Tout est assumé par la Ligue, là. Ils font minimum 73 matchs par saison. Les joueurs en font 82. Fait que minimum 73, c'est comme les joueurs, c'est deux ou trois par semaine. Ouais. T'as pas le temps tant que ça d'être chez vous et de dépenser. Non. Fait que c'est avec des très bons comptes de dépenses, une très belle job. Puis aussi tu des contrats? Des contrats de 5 ans, 3 ans, c'est le même d'après toi? Ou c'est renouvelable pas chaque année. Ça fonctionne. Non, je, je pense qu'ils arrêtent quand ils veulent, parce que les gars prennent leur retraite pas mal quand ils veulent. Il euh, doit y avoir un syndicat Mais des arbitres. Si Johnny Murray était à côté de nous autres, d'après moi, la première affaire qu'il nous dirait sur sa carrière, il dirait, ça patine en tabarnak ». Ah, ben, oui. Ben oui, tu penses-tu? Et lui, il est pas à bout d'âge, là. Il est quel âge? Non, lui, Johnny Murray, il doit qu à, qu à, euh, avoir proche 50. Proche 50, ok? Ouais, ouais. Mais faut il faut qu'il soit à ligne hein, quand, quand les gars ah, avancent. Ben, hein. Oui, oh, il, est en, il est en grande shape. Ça, c'est sûr. Mais, mais le changement, tu l'as vu, Gilles. Quand toi et moi, on allait au Nordique quand on était de c'est Andy Van le ou Bruce Hood qui était à l'arbitre en chef, il était tout seul. Ou Ron Fournier, même. Ouais. Il était seul. Là, il y a deux arbitres en chef, une maudite chance. La vitesse, ça va. Mais ouais, on peut pas, se déplacer d'un territoire à l'autre pour rattraper McKinnon ou McDavid. Qu'est-ce que... Il faut que je te pose la question, parce qu'on on le voit bien, entre autres au hockey, parce qu'on suit le hockey pour des raisons, euh, je dirais, ancestrales, mais les reprises au hockey montrent qu'il y a souvent des revirements. De... Oui. On le savait, parce que la rondelle est petite de même. Oui. C'est impossible de tout voir, tu sais, quand ça... Elle, elle, elle... Puis il y a des moments où elle rentre, puis on ne l'a pas vu rentrer. Exact. C'est correct, ça. c'est correct. Moi, je pense que c'est une bonne affaire. Je qu'on sert bien de la technologie. J'espère qu'ils n'enlèveront pas ça, parce qu'ils parlent tout le temps de la possibilité de peut-être... Ouais, que... Mais les, les entraîneurs ont le droit de challenger, puis ils ont une punition aussi, ils n'ont pas raison. Aussi. Et toi, comme amateur de sport, ou gaga que joue au hockey, oui. est-ce que tu aimes ça, le 3 contre 3 à voir ça? Absolument. Mais c'est tu, excitant? Ah ben, oui, ben, oui. faut pas ben, qu'ils enlèvent ben, ça. Oui, là. Quand j'arbite, c'est que j'arbitre encore au ouais, régulièrement, ouais, ouais. bah 4-5 games par semaine. Ouais. Caroline! Mais là, pas avec l'erni, tu comprends? Non, que, non. <laughs> quand j'avais de la misère à marcher, je n'ai pas arbitré. Là. Elle doit 200 300 000 par année, vous autres, aussi? Là. Non, <laughs> non, je te le dirais, puis mais, on n'a pas de contrat. Mais c'est ça que t'aimes ça, là. Ah oui, ouais, j'aime ça, hey, je te dis. Y a-tu un niveau plus le fun à hein, arbitrer quand on. Quand, à choisir, mettons, là? Ben. Quand ça va plus vite un peu, c'est plus le fun? Oui, mais ben non, mais ça va plus vite dans le midget ou dans le junior, mais je pense que le niveau Piwi c'est encore le plus beau calibre. Ah oui? Oui. Peu importe le calibre. Piwi B, Piwi 2B, Piwi 3 je m'en fous. Des jeunes Piwi. Désir de jouer, qu'est-ce qui? Ouais, je trouve que c'est là où l'hockey est le plus pur. Euh, c'est, Puis j'en fais du Piwi, ben je fais oui, pas juste ben ça, oui. je fais des games scolaires aussi au travers. Mais euh, c'est non, c'est le fun, c'est le fun, l'hockey Miller, j'aime ça. Euh, faut que tu me parles d'un sport. Pis avant qu'on entre en ondes, tu m'as avoué que tu l'avais essayé. Je suis tellement content. Moi, je l'ai essayé récemment pour la première fois. Le sport le plus en croissance en Amérique du Nord présentement, c'est le pickleball. Exact. Pour, pour faire une histoire courte, c'est comme un mélange de tennis, ping-pong puis de squash. Le monde va dire c'est quoi ça fait. Puis de badminton aussi. Et de badminton, quoi? effectivement. Oui. Donc, oui. un, un puis si on veut mettre ça encore plus simple à comprendre, c'est le même qu'on l'a expliqué. Terrain de tennis raccourci de moitié à peu près. Exact. Tout est plus proche. Oui. Pis, mais l'élément majeur que moi, je savais, que je connaissais pas, c'est la balle, moi. Ah, la plus balle, que les, les palets. Tu sais, tu sais qu'il y a des balles pour jouer à l'intérieur et à l'extérieur? Non, je savais pas. À moi, cause... j'ai joué à l'extérieur avec le vent à peu près okay. à 40 km/h. À cause du vent, le trou de la balle extérieure est plus petit pour pas que le vent pogne dans la balle. Okay. Il y a des balles extérieures. Puis moi, j'ai acheté une balle hybride l'autre jour. Je dans une boutique spécialisée en fait okay. du pep sur le Chemin Saint-Foy. Okay. Puis j'ai acheté une raquette là. C'est extraordinaire. Mais le gars qui a inventé ça, ou la fille qui a inventé ce sport-là, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent. Pourquoi tu penses qu'on a pensé à cette affaire là Ben pour prolonger, oui, absolument. Au départ, je pensais prolonger la carrière de tennis des gens qui ont 70 ans. Ben. OK. Fait qu'au départ moi quand je voyais les gens, moi je savais pas que c'était le pickleball, mais j'étais à l'appartement de mon frère en Floride. Bon, mettons au 9e étage, je regarde ouais. ça, je dis, hey, comment ça Il joue dans proche je, je suis loin. <laughs> non mais je suis loin, comprends-tu ouais, ouais. Puis je me dis ah ben en vieillissant peut-être que c'est trop proche, mais n'avais pas noté que c'était une balle trouée pour le ouais. vent, pour la patente. Puis mais par contre, il y a un gars regarde. Moi, m'a dit la différence avec le tennis, c'est fondamental. Au pire que le ball, le monde jase, c'est social. On Absolument. jase dans ça. Eh, hey, tu t'agaces, ouais. ouais. pis tout. Moi, au tennis, c'est un peu, il y a une concentration. Fait que, OK, c'est social plus, j'ai oui. compris. Oui. C'est pour ça que c'est une croissance si grande, parce que Absolument. ça touche plus le monde. Là. Oui. Tu peux pas bien, bien te blesser. OK. Tu peux, tout le monde, en double ou à peu près. Mm. Pis, mais la, 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 la clé dans le règlement, c'est la cuisine. C'est la zone. La kitchen en avant, la, la, kitchen, la, la zone en avant. La mais, zone, Mais c'est pas fait de foyer au début, la première fois. Non, mais Gilles, on peut pas aller là, puis il faut pas aller là. Si on avait le droit d'aller là, on serait seulement installé au filet, pis ça sera juste un balles. concours de, de, de rabattage de, smash, de, smash. de, rabattage de, de balles, pis ça ne sera pas le fun. Non. Ça, c'est le règlement le plus intelligent de tout ce sport-là. Puis c'est le fun à jouer, mais tu disais tantôt, c'est social, pis oh. les gens me Mais par rapport au tennis, ça, je veux Oui, mais il y a, euh, tennis, dire, oui, y a moyen d'être compétitif, là. Ah, j'ai vu ça. Ben, je peux t'annoncer <laughs> que moi, j'ai remplacé dans une ligue, un mercredi. Soir, ça y euh, Avec une gang de, de golfeurs au, au SSF, puis il y en a pas mal qui aiment pas se perdre, là. Oh oui, Ça revient enfin, vite, ça, hein? Oui, oui c'est ça, mais ça, c'est humain mêmes c'est correct. Mais tu sais quoi? Il y a des très bons joueurs de pickleball, puis c'est impressionnant de voir. Est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir des ligues? De majeur je parle là. là. on est en train de le développer, ah, mais. il y a un circuit professionnel aux États-Unis. Voyons. Et la fille qui a gagné en double. Je la, savais pas, L'année dernière, ouais. en janvier 2023, la fille qui a gagné en double, c'est une fille de la région de Montréal. C'est une ancienne joueuse de tennis qui a joué dans NCAA. Puis elle a gagné le championnat du monde euh, en double aux États-Unis l'an dernier. Ce qui est frappant, c'est quand... Eugénie Bouchard euh, s'est tournée au pickleball, d'ailleurs. Mais, moi, on me dit que... Maintenant, il y a des, des endroits, où on les construit comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'était comme des lignes. Ben tu sais, oui. quand arrives à une place, ben, mettons notre gymnase d'école. Oui. C'était pour le handball, ouais, le basketball. Show, il y a le des, des lignes. Mais on m'a dit qu'au départ, on, on, avait, on avait mis des lignes sur des terrains de tennis oui. qui servaient moins souvent puis qui servaient correct. plus avec ça. Oui. Mais que là, on, là, puis quand je suis allé à Nassau avec mes amis, on est allé faire un tour. Euh, j'ai joué sur des terrains. Là, je dit, les terrains de nains en niaisant, parce qu'ils sont petits, mais c'est parfait là. Oui. Mais mais j'ai des petits terrains de tennis ils viennent d'annoncer cette semaine au PEPS 40 millions pour un stade de tennis intérieur. Il va-tu avoir du pickleball, tu penses? Dehors, il y a six terrains de, euh, de pickleball de prévu. OK. Dans le projet de l'université. Fait quand même, là, okay. okay. ils ne pensent pas que ça va fermer de main. C'est un complexe va... de tennis intérieur. Oui. Et dehors, ils vont faire des terrains de tennis et des terrains de pickleball. Pas des lignes avec du scotch tape, là. <rire> <Okay>. <rire> et, des vrais terrains. Mais sur la rive nord. Il y a un local actuellement, c'est pas ouvert à 100%, mais ils sont en train d'aménager des terrains de pickleball intérieurs. La semaine dernière, à Saint-Romuald, euh, sur la rue Guillaume-Couture, dans le secteur Taniata, oui, situer, très bien. il y a un couple, le gars et la fille, ils ont quitté leur job, ils sont partis en affaires, ils ont loué le local, puis ils ont aménagé, il y a, je pense que c'est quatre ou six terrains de pickleball. Ah, non, quand tu disais tantôt le sport le plus en croissance aux, aux États-Unis, j'ai aucune misère à te croire. C'est accessible aussi quand ah, tu... Je sais pas comment va va, jouer, être cher à jouer là. là. Mais les, les, acheter des raquettes, des balles, c'est pas si cher, là. Non, mais une raquette, tu entre 150 et 300 dollars, mais on pense qu'elle va durer. Si on la lance pas, elle va durer. Puis euh, <laughs> euh, sérieusement, louer un terrain, euh, on est quatre là, sous le corps, fait que ça ne coûtera pas une fortune. Puis non, non, c'est un sport accessible. Puis dans les municipalités, tu vas voir ça de plus en plus. J très mixte aussi. Tu sais, en couple, oui, là, des fois, tu sais. Ça dis, joue très bien ben, en couple. Oui, parce oui. que tu, tu vas être capable d'équilibrer de, 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 ça. Deux filles, deux gars ou euh, quatre filles ensemble, on oui. a oui. vu bien des femmes. Oui. En fait... Je voulais, ce que je veux aussi savoir de ta part, c'est la première fois que en as entendu parler, c'est un ami qui te dit, il faut que ça, je veux juste savoir ta première fois que t'entends, ben ça fait pas longtemps, là, que moi j'ai entendu parler de ça, il y a quelques mois maximum. J'ai entendu quelqu'un qui avait joué, je connaissais pas. Jamais pas, c'était quoi, Pickleball? Puis la fille que je te dis qui a gagné, la Québécoise qui a gagné le championnat du monde l'année dernière en double aux États-Unis, une ancienne de la oui. son nom m'échappe, Catherine quelque chose il me semble, mais ben, j'ai vu sa game à ESPN à la télé l'année passée quand j'étais en Floride. Okay. Ah, Première fois, j'ai vu ça. C'est quoi cette affaire-là C'est le Pékinois, j'ai regardé ça. Puis là, cette année, j'ai joué pour la première fois. Je te dis. Ben, trouves... Moi, j'ai eu chaud pareil. Là. Ah, pas... ben oui, il y a moyen d'avoir chaud. Non, non, je oui. me disais au départ. Non, 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 euh, ça a bon, sport pour que les que vieux pas jouer en jeans, là mais c'est pas ça. là <laughs> oh, ouais. Non, non, il y a moyen d'avoir chaud. Tu es persuadé, as... de toute façon, les, les... ce que tu viens de me dire, c'est clair. Il y a une croissance. Puis, je pense, en tout cas, je peux me tromper, mais il y a un potentiel plus grand que certains autres sports qui sont développés. Mettons du, comment ça s'appelle, le hockey-ball intérieur, tout ça. Le deck hockey. Le deck hockey, ça reste fort, mais ça n'a pas le même potentiel que quelque chose qui touche... Oui. Monsieur, madame, tout le monde de n'importe quel âge. Je suis d'accord. Je pas un contre l'autre, ça n'a rien non, à voir. Non, à le j's... cardio, ce que tu dis, c'est que quelqu'un de 62 ans plus peut plus, plus vraiment plus. jouer au décorqué. Okay. Ben, c'est parce que quand tu te laisses aller, tu tombes à terre. Oui, mais, mais, mais <laughs> tu sais qu'il y a un nouveau centre à Saint-Augustin sur la 132. Euh, Je te dirais, là, mettons, euh, ouais, ouais, le matin. Oui, oui, mais entre l'autoroute puis... Ben euh, dans, mettons Louis Garneau, là. chez ouais, okay, ben, Michelin, dans ce coin-là. Dans le coin de chez Michelin, un ouais, peu plus loin. Ben J'ai vu. Il y a vu. des gens d'affaires qui ont lancé un nouveau centre de décor. Bon, une belle place. Là. Moi, je passe là souvent, le stationnement est plein tout le temps. Ah non, je parle pas que ça va pas. J'ai Le développement. Ben oui, oui, oui. Je pense raison. que potentiel oui, ben oui, oui, oui. à cause de l'arbre. Ben oui, mais ben la oui. Absolument. Tu as tout, tout fait raison. Ce jamais un contre l'autre. Tant mieux si le monde bouge, M. dis. Exact. On va finir ça tranquillement, juste avec un petit mot sur ce qui s'en vient pour toi. As-tu des. <laughs> non, mais je... pas, pas euh, dans la carrière des projets, peu importe ce que tu veux me dire, mais je veux dire, là, tu te prépares la saison, j'imagine, oui. ben là. là le, le golf, on pense ouvrir, nous autres, je te dirais, on ne peut pas donner de date, il est encore non, trop non, tôt, là, mais fin avril, début mai, ça doit quand même être un peu plus tôt que d'habitude. Vous n'êtes pas trop dehors, encore d'un bureau pas mal, préparer ça présentement? Oh Oui. Les employés de terrain n'ont pas commencé à travailler non plus. Ils pourraient briser, j'imagine. Les toiles sont encore sur les greens, c'est trop froid, Gilles. Ouais. On ne peut pas, tu de le gazon, c'est une plante, là. Dire, on peut pas brusquer puis risquer de, de, de perdre le. Mais quelqu'un qui veut réserver, c'est ouvert Comment ça marche Non, non, hein? non. Parce là, que c'est trop tôt. Il est trop tôt, mettre... mais pour des tournois, pour des événements. Ça ah ça c'est affaire. On a répondu ouais. à, ouais. à okay. ces demandes là tout l'hiver, mais on est en train d'aménager notre restaurant, euh, le prix euh, du vin, de la bière, de la nourriture. Qu'est-ce qu'on va euh, vendre c'est ça Exact, okay. exact. Puis euh, est-ce que est-ce que tu dirais que ce que tu fais maintenant depuis quelques années Je, je vois bien que tu es heureux de faire ça là, mais ça te comble assez pour pas être ben, pas pogné, mais avoir des, des, des parascolaires dans la tête, des choses que tu voudras faire de plus. Parce que dans le fond, ben, tantôt, t'as évoqué la retraite. t'as pas dit je vais prendre ma retraite. Non, mais t'as juste dit quand je ferai la retraite, je ferai ça. Oui. Fait que ça me fait penser, je ne sais pas s'ils pensent, T'es bien trop jeune de penser non, à la retraite d'après moi. Non, non, non. Faire quelque chose que tu aimes d'après moi, on peut en faire oui, longtemps. Oui, oh, absolument. absolument. Puis, tu sais quoi? On a. Euh, la semaine dernière, on a engagé un mécanicien, parce que notre mécanicien malheureusement, il a eu des petits problèmes de mm -hmm, santé, mm -hmm. puis il nous a... Euh, il a informé sur Internet cette fois qu'il arrêtait. Wayne, c'est un monsieur extraordinaire. Puis il m'a dit Je vais rester avec vous, puis je vais former le nouveau si vous avez besoin. Ouais. Je vais y aller une fois ou deux par semaine. T'sais? Fait que le nouveau monsieur qu'on a engagé, Jean, euh, Gilles, là, il s'appelle Jacques, là, il m'a dit Moi, je suis un retraité de Alcoa, euh, de ouais. Chambeau. Il dit J'ai 62 ans. Puis il dit, je me vois encore travailler 10 ans. Il dit, quand tu es heureux, puis tu t'en vas au travail, puis tu vois pas du reculon, il dit, il n'y a pas de raison, je travaille pas encore 10 ans. Il dit, mes parents, à 84 ans, puis à 85 ans, ils travaillent encore. Puis rendu là, c'est pas juste une question d'argent, ça n'a aucun rapport. Là. Non, c'est faire quelque chose de sa vie. Faire de que, quoi Que tu Te rendre utile, discussion avec les collègues, service à clientèle, dans le cas d'un club de golf ou de plein mmh, d'autres mmh, gens mmh. qui nous entendent actuellement, qui travaillent dans le service à clientèle, peu importe. Mais les les employés, autant ils nous impressionnent, puis on se dit « Hein, il a fait ça, c'est incroyable », autant des fois, pour certains, puis je suis très chanceux parce qu'on a une belle équipe au club de golf, mais des employés, mettons, je vais dire que certains ne travaillent plus avec nous, qu'au fil du temps, ils ont décidé de quitter, là. mais tu sais quoi, Gilles c'est la gestion du personnel qui va venir, qui a usé les entrepreneurs dans le jeune Québec. Puis tu l'as entendu mille fois déjà. Oui, oui. Moi, je t'apprends rien aujourd'hui. Non, non. Oui. J'ai la chance, là. dans mes podcasts, d'avoir des gens qui me parlent de ça constamment. Puis, euh, tu sais, il y a comme des retournements très curieux. Euh, moi, je, en tout cas... Comme observateur, tu sais que je suis un journaliste de, de, de carrière, mais curieux de carrière, ça, ça nous sert très bien, Dan, je suis impressionné de voir dans les deux, trois dernières années à quel point on a vu des mouvements sociaux. Il y a plein d'affaires qui me, qui me qui se bousculent dans ce que je voudrais dire, mais je vais juste te dire des mouvements sociaux renversants. La, la pandémie, moi, oui. je jamais j'aurais pu dire à mon enfant, jeune, mettons, assis-toi ici, je vais te dire de quoi. Moi, je pense, moi, de faire une prédiction. Ah, oh, les prédictions de M. Parent parfait. À un moment donné, il va y avoir un moment où il va arriver un événement où toute la planète va arrêter de travailler en même temps. Tout va arrêter. Bah. Personne n'aurait cru ça. Hein. C'est <laughs> arrivé avec la pandémie. C'est ça, pour première ouais, affaire. Deuxièmement, ouais. il va y avoir un événement où les gens vont être forcés de rester chez eux puis de travailler à l'ordinateur. quoi ça, Puis après ça, ça va changer à jamais le travail de toute la planète. Ils ne retourneront plus. C'est ça qui est... Non, non, mais une... en tabarouette, ah, on là. A ta il y en a beaucoup qui sont à la maison encore. À là. Québec, il y a 20 000 personnes dans le monde de l'assurance et, et de la finance. En télétravail? Non, mais 20 000 en tout. Oh, total, dans la région de okay, Québec, okay, parfait, ouais. Puis les grandes entreprises, il y a plusieurs. Puis ça, c'est un autre retournement qu'on n'aurait pas pu imaginer. Tu sais, le boss qui est chien, puis qui t'envoie promener, puis qui dit, main, puis il te raccroche au nez, puis tu as peur de perdre ta job aujourd'hui. Les employés ils disent, nous autres, on ne veut plus retourner. Là, c'est plus le boss qui décide. Il demande aux employés, vous voulez quoi? On veut rester chez nous. Ah, exact. Vous êtes, jamais t'aurais pu voir ça avant. Ah oui. Fait que tu pensais ça? Puis là, ça, là, je te parle pas de tous les changements politiques, les guerres. Mm -hmm. Fait que tu sais, on a une période, là, on disait ça en 2001, tu te rappelles? On disait, aujourd'hui, les tours, ce qui est arrivé le 11 septembre oui. 2001, ça a changé la sécurité des oui. aéroports à oui. jamais. Oui. Ça, oui. Mais tu pensais qu'en 10 ans, là, même 10-15 ans, là, on vit quelque chose, des changements. Fait que tu ce côté-là, je le trouve fascinant, peurant par bout, mais ah oui. fascinant. Ah oui. On vit ah oui. ça, Dan. Ah oui. Il y a une période l'après-guerre, mettons, je te dirais de 45 à 70, je te dis pas que c'est rien passé, mais ça a été plus un développement oui. ordonné. Oui. Mais depuis l'informatique, ça, seigneur, moi, je, je, La pandémie, je suis vraiment. Je suis content de vivre ça, puis en même temps, je me rends compte que ça amène des problématiques euh, mentales, des problématiques ah, physiques. Oui, euh, euh, à cause, entre autres, des médias sociaux puis la, la, le téléphone. Tu sais, on, y a t -il un moment, dans une semaine? Où tu Ouais, Dan, peu importe ce que tu fais au bureau là-bas où tu te dis pas, Christy, c'est est comme une laisse, ce téléphone-là, on est ouais, tout le ouais, temps là-dessus ouais, parce bien, que c'est notre ouais, bureau, ouais, c'est ouais. notre ordi, c'est ah notre... Ouais. Tu sais, Dan... As je, tra... je le dis aux employés, l'été, textez-moi si vous voulez me rejoindre. Non, ouais, mais ça fait peur. Part... Je dis pas qu'il faut, faut tirer ça au vidange puis dire euh, non à la technologie, je dis juste que ça a amené des changements constants. C'est drôle parce que José, tu sais, tu connais Jerry de Radio Pirate. José avec lui, à un moment donné, il dit, tu sais, Gilles, moi quand je travaillais au garage, comme pompiste, là, je travaillais comme pompiste, j'écoutais la télé des fois chez nous, tu sais, mais quand je traînais pas ma télé quand j'allais travailler à Pompe là. Aujourd'hui, on la traîne. On en était tout le temps, sur une zone. Les vidéos, là. Tu sais, fait les nouvelles du sport dans ta vie. À cette heure, moi, j'ai mon... toi. Mettons, tu tripes sur Mike David. Tu Ah! McDev vient se scorer. Oui, oui. Le petit logo va apparaître 30 exact. secondes après. Exact. La reprise suite, là. suite. Oui. Avec l'univers du sport. Oui. Tu comprends? Ah, oui. Ces changements-là m'excitent, madame. Ça, ça oui. va vite, là. Tu parlais de la pandémie. Est-ce que tu dirais qu'en 2024, on est encore dans l'après-pandémie? Oui. Moi, je pense que oui. Aussi. Ah oui, oui. Ah, oui. C'est pas fini l'après-pandémie. Oui. Puis là, en plus, on a des problèmes financiers. Veux, veux pas, les taux d'intérêt élevés, on n'a pas connu ça bien. Ben, on se faisait raconter. Moi, je l'ai vécu en 80 parce que je suis plus vieux. En 80, quand j'ai acheté mon premier retour, en 81. 17 ça. 17-18 okay. Euh, t'sais, pour pour acheter une voiture, c'était complètement mes parents m'avaient aidé tout ça, mais Après ça, on a été 20 ans oui. où a, t'sais, ça n'a pas monté bien, tout bien accessible. Mais, ouais. mais tous ceux, depuis un an et demi, moi ça me fait rire, il y a beaucoup de spécialistes d'économie qui, qui <laughs> se déclarent quand ils arrivent avec des taux d'intérêt à SAP, là. Oh Oui, ça, Il avait un prévu. Un an, il avait attends, prévu J'aurais un appel à tous. Depuis un an et demi, là, tous ceux qui m'ont dit ça va redescendre, ça va redescendre. Il arrive quoi, là? Ça n'a pas descendu une fois, là? Pas encore. Mais ça fait un an et demi que les gens me disent Ah non, ah, non, ah, ça ne ah, peut pas ça, rester là, voyons Dan, ça va redescendre. Ça n'a pas descendu encore. Non. Mais pourquoi ils m'ont dit ça? Ouais, mais rappelle-toi. Je tôt. comprends, Gilles, que ça ne mais pas à 2.5. Le choix avec Vincent Delisle en 2003, il nous disait, c'est pas le casino. Ça ne marche pas. Fait qu'il dit, là, il dit, mais il dit, normalement, ça va monter. Il mais Ça a pris 20 ans, avant de monter. Ouais. Je ne dis pas que ça va prendre 20 ans là. Non, non. Mais là, il commence à dire, ouais. Ça... Puis en même temps, moi, ah, je. Ils n'auront pas le choix. Comment pas le choix? Tu sais, les spécialistes d'économie, là. Coin de Rue, Gilles. Ai L'hypothèque, hein. Puis ils n'auront pas le choix. Ça n'a pas descendu depuis un an et demi. Puis quand ça va descendre, ça ne descendra pas de... Puis l'autre affaire, mettons que tu es à 5. De on à 5.25, mais le... ça, c'est le taux préférentiel de la banque. Exact. Mais toi, tu vas payer 7 encore. oui, Encore. Ben oui, ben oui. Ah non, écoute, mais tu vis le nombre de changements en peu de temps? Oui. La... Fait que tu sais, c'est fascinant, c'est épeurant aussi. Je dirais que les guerres, moi, je... je, je avoir ça aller puis à voir ce qui se passe au ouais, States puis un peu partout ouais, ouais. je suis pas très encouragé je non, te dirais tu sais en même temps ben, c'est pour ça qu'il faut en profiter ben garde on revient à la base on revient à la base Dan on va en profiter profitons-en mon garçon le thème de, de la fermeture merci ouais, Dan ouais. d'être passé Dan ouais, merci de m'avoir invité et les sports bon bulletin